Et hey, Matelot, ici Defroy, et aujourd'hui on se retrouve pour une visite et un tutoriel sur Minecraft pour réaliser cette maison que vous voyez présentement devant vos yeux. Alors on a réalisé cette maison sur Twitch, du coup si jamais certains d'entre vous ne connaissaient pas ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à aller regarder ça, je vous mettrai un lien dans les commentaires ou dans la description, on verra bien. Et donc une visite parce que j'ai aménagé la maison en fait, en effet, pas complètement, je dois avouer, elle n'est pas complètement aménagée, mais quand même, il y a de quoi regarder, visiter, regardez-moi tout ça, les charpentes, moi ça me... j'aime beaucoup les charpentes comme ça dans les maisons en bois, regardez cette... Ah moi ce coin-là je crois que c'est mon préféré dans la maison, avec toutes les lanternes qui volaient un peu dans le ciel. Bon, elles volent pas parce qu'elles sont accrochées au plafond, mais ça donne une ambiance géniale avec toutes les charpentes comme ça, avec les lumières, avec le shaders en plus qui sublime le tout. Moi, regardez, j'adore cette ambiance-là, franchement. Ah, c'est un gros kiff. J'avoue, j'adore cette maison. Et donc, comme je disais, je l'ai aménagée. Et regardez. Hop, pour vous montrer par exemple, on a fait un gros trou dans le sol et on a même aménagé une caverne en guise de pièce en fait directement de la maison. Avec un bar, avec un, comment on appelle ça, un piano, avec un billard, avec une petite piscine privative avec du magma au fond de la flotte parce que pourquoi pas. Et j'ai voulu aussi faire cette maison-là, quelque chose d'assez pratique pour Minecraft même, avec voilà donc un portail du Nether, avec plein de stalactites partout, enfin de spéléothèmes, ils appellent ça sur le jeu, avec quelques petits trucs sympas, vous voyez, ça nous fait vraiment un petit aménagement de caverne, en fait, tout simplement, que moi j'aime bien. Et on peut, en fait... remonter par là pour revenir dans le milieu de la maison. Vous voyez, donc c'est à ce moment-là où c'est à cet endroit-là qu'on a planté l'arbre, le grand arbre qui trône au-dessus de la maison. Et donc voilà, on a fait toute une cour comme ça à l'intérieur de la maison où il y a l'arbre et qui, non seulement... Hop, j'ai enlevé le F8. Non seulement on peut monter dans l'arbre, mais on peut aussi justement voilà, descendre dans la caverne. Et sortir de l'autre côté, voilà, c'est un peu cette architecture-là que j'avais envie de faire sur le jeu, et tout ça. Donc on va aller visiter cette maison si ça vous intéresse. Hop. Donc, on va commencer par la principale, la pièce principale, s'il vous plaît. Inspiration Poudlard, hein, sans aucune forme de... de je ne sais pas quoi d'ailleurs, hein. Inspiration très Poudlard du coup, avec ces grandes tables très longues comme ça, avec des charpentes immenses qui c'est très très haut, j'avoue qu'il y a une hauteur sous plafond, j'ai pas eu peur, hein. J'ai pas eu froid aux yeux pour le coup, et donc voilà à quoi ça ressemble. Moi je trouve que c'est vraiment sympa, moi j'aime bien, en plus avec quelques petits balcons, vous voyez, qui sont au niveau des étages. Il y a un petit pont aussi, comme vous pouvez le voir, qui permet de joindre un étage à l'autre. Donc toutes les pièces ne sont pas encore complètement aménagées, comme je disais. Je compléterai ça la prochaine fois. En gros, ce que je vais faire, du coup, dans ces vidéos-là, je vais faire la première partie du tutoriel dans cette vidéo, d'accord? Et lors de la prochaine vidéo, donc peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, je finirai complètement l'aménagement d'intérieur et on fera la deuxième partie du tutoriel. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on va procéder. Hop, on va aller au sol, on va prendre, évidemment, on va regarder un peu ce qu'il y a. Donc ici, j'ai fait une cuisine, ok? Donc toujours dans le thème bois, hein, avec tout un tas de trucs, des pancartes, des petits leviers pour faire des robinets, vous savez, au niveau de l'îlot central de la cuisine. Oh, c'est des bonnes vieilles astuces, mais qui marchent bien, vous voyez, avec des œufs de tortue pour faire un peu des bouteilles ou des produits ménagers. Des rails pour faire des plaques de cuisson, vous voyez, bien sûr, avec quand même quelques fours aussi, des hauts fourneaux. Et voilà, alors il y a des fourneaux et des hauts fourneaux. Alors, s'il y en a dans les commentaires qui pourraient m'expliquer la différence entre tout ça, je suis pas contre, parce que j'avoue que moi, le côté survival du jeu...
Ça fait genre des années que j'ai complètement abandonné l'idée. Alors, regardez ça. Ah, ça, c'est ma vision préférée de la maison, je crois. Ça, je kiffe. On est à l'intérieur, donc, très bien. Regarde au travers de la fenêtre. Et on a ces charpentes de fou, cet endroit sympa avec les montagnes en arrière-plan. Moi, je dis franchement, rien que ce plan-là, on pourrait faire un fond d'écran pour un PC ou autre, vous voyez. Mais clairement, hein, moi, j'aime bien. Hein. Et on va voir les autres pièces qui sont aménagées de la maison. Peut-être avec sur le même étage, déjà. On va visiter cet étage-là. Oui, je marche sur la table, c'est pas grave. Hop, donc, et on arrive sur la première salle ici, qui est la salle des chats. Oui, j'ai voulu faire une pièce consacrée aux chats, parce que j'aime bien les chats. Voilà, ben, c'est tout. Regardez, avec plein d'arbres à chats, en fait, vous voyez, c'est censé représenter des arbres à chats, donc tous ces trucs-là, avec des endroits où ils peuvent monter et tout ça, vous voyez. Des lits aussi, parce que hein, oui, miaou. Et voilà, donc avec un petit canapé sur lequel tu peux t'affaler et tu peux, voilà, jouer avec les chats et tout ça. Hop, à côté, on a une petite pièce très simple, un salon, très classique, ma foi. Mais voilà, le classique, c'est fantastique, j'ai envie de dire. Oui, c'était un slogan que je viens d'inventer dans la seconde, tu vois. Donc ici aussi, alors on a un couloir par là, bien sûr. Et on a aussi une petite pièce ici que j'aime beaucoup et je pense que vous allez aimer aussi. Parce que regardez, c'est un bowling, mesdames et messieurs. Oui, tout à fait. On a ici les boules du coup hein, qui sont dessinées en tête de monstres et tout ça. Vous pouvez lancer sur la piste ici et j'ai représenté les quilles par des barres de land au fond. Vous voyez, ici vous avez le tableau des scores. Et petite chose aussi sympathique. Généralement on voit pas toujours très très droit, hein, n'est-ce pas, au bowling. Et c'est pour ça que l'éclairage lui-même n'est pas droit non plus. Parce que l'éclairage vous ne veut pas vous mettre la pression, hein, finalement à vouloir aller tout droit sur un bowling. Et donc je l'ai fait un petit peu en zigzag comme ça. Oui, c'est un peu de la branlette, mais j'aime bien, donc ça passe. Alors on va continuer ici. Regardez ça, j'aime bien aussi le travail du toit, du plafond. Donc avec des dalles en sapin qui font un peu des fausses poutres. Et ça nous fait un peu des carrés comme ça au niveau du toit. Pas du toit, encore une fois, du plafond de la pièce. Avec les petites lanternes. Les lanternes, j'en ai mis un paquet dans la maison, alors vous allez voir. Il y en a plein partout. Et donc des lanternes comme ça au niveau du milieu de chaque carré. Et je trouve que ça structure bien les plafonds. J'aime bien, ça donne un côté classique encore une fois, mais voilà, le classique, c'est fantastique. Je sais que vous l'avez dit aussi de votre côté. Voilà, les trois mousquetaires version Minecraft, hein, bien sûr. Hop, et tout un tas d'autres choses, hein. Un bouquet de fleurs, et en fait non pas du tout, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Alors, nous arrivons dans le Gentleman Lounge, tout à fait, car... Bah pourquoi pas, tout simplement. Et non, je n'ai pas du tout appelé cette pièce-là uniquement parce qu'il existe un tableau de gentleman sur Minecraft. pas du tout. Voilà. Non pas que j'avais pas du tout d'idée pour de quoi faire sur cette pièce-là. Hein. Non, pas du tout. Alors, donc, du coup, on a un salon classique, encore une fois. Hein. Le classique, c'est... Ah oui, je sais que vous l'avez dit de votre côté. Fantastique. On a un petit bar ici, vous voyez, avec toujours des œufs de tortue, hein, puisque bien sûr, boire des œufs de tortue, c'est pas bien du tout. C'est une catastrophe, au contraire, hein, faut pas faire ça. Mais on peut le faire dans Minecraft. Et on a un accès aussi, bien sûr, sur l'extérieur, avec un petit jardin. Du premier étage finalement, puisqu'on a plusieurs jardins. Oula, je suis tombé. À différents niveaux ici, que j'aime bien pour le coup. Pas forcément, c'est moi qui ai fait la maison, donc j'aime bien tout, tu vois, mais bon. Et donc on a une extension du lounge à l'extérieur ici, avec un petit table de pique-nique, ma foi fort sympathique, parce que le classique, c'est fort. Voilà, faudrait que j'arrête de dire ça. C'était juste pour la rime. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, j'ai envie
de retourner, ah bah on va passer par là, de retourner dans la salle principale parce que j'ai fait un truc que j'aime bien. Alors voilà, donc déjà aussi dans la partie centrale ici, on a remis un autre salon, bien sûr, avec la fameuse, la magnifique, la grandiose, hein, la chicha, bien sûr. Alors Pépito le lapin, ça c'est un délire qu'on s'était tapé en stream sur Twitch. Je sais même plus de quoi il en retourne, mais c'est voilà, c'est Pépito le lapin, il est là, il est content, on l'aime bien. On retourne ici du coup pour pouvoir avoir accès, hop, à un arbre que j'ai fait traverser l'étage, dont j'ai fait traverser l'étage, peut-être plus français. Et donc si on va en dessous ici, vous voyez, hop, qu'on arrive dans la salle des coffres. Comme je vous l'ai dit, j'ai envie de faire une maison qui est à la fois esthétiquement belle, mais aussi pratique dans Minecraft. Et donc, j'ai fait une salle des coffres que j'aime bien, ma foi, avec les petites indications sur le côté ici. J'en ai mis pas mal quand même, hein, parce que pourquoi pas. Vous voyez, avec toujours un petit peu de travail de plafond au niveau des dalles et des escaliers, autour des grandes étagères. Hop. Moyen. Ici, voilà, ça sera une autre pièce à l'étage qui est une bibliothèque et qui d'ailleurs m'a été conseillée par l'une d'entre vous du coup dans les lives au moment où on faisait la décoration. C'est Basté qui m'avait proposé, bah tiens, fais une bibliothèque. Et donc du coup, bah, je me suis dit, tiens, oui, effectivement, pourquoi pas. Sympa, non? Avec toujours les petits travaux de travail de plafond sur les plafonniers ici avec des plaques, pas du tout des trappes de pression, des trappes d'or, comment on dit en français, des trappes tout simplement, des trappes, voilà, très bien. Au niveau des luminaires, hein, au niveau du plafond, voilà, avec des pupitres, avec tout ce qu'il faut, ma foi. Hop. Alors oui, les escaliers sont censés être la rambarde de l'escalier, mais c'est au final cela que j'utilise pour monter, donc ouais, bon, bref. Un petit couloir ici et on passe devant. Oui. Vous avez bien vu, on passe devant un cinéma, une salle de projection privée qu'on a en sous-sol, évidemment, pour ne pas avoir la lumière du jour qui peut nous embêter. Et on a effectivement, avec des sièges XXL ultra spacieux, ultra luxe et tout ça, pour pouvoir voir effectivement ton film dans la meilleure des conditions. Bien sûr, bien sûr. Salle de projection privée, ça c'est fait, n'est-ce pas? Voilà. Donc on prolonge ici sur d'autres rangements, mais fait en tonneau cette fois-ci, parce que je trouvais que ça donnait un côté sympa. On entend encore les chats, du coup, elle tâche du dessus. Pareil ici, vous voyez, des tonneaux partout. On ressort ici sur la petite terrasse. Hop. Et puis voilà. Donc à celui qui me dit qu'il n'y a pas de rangement dans ma maison, franchement, il n'est pas très, très honnête. Alors oui, ici, un atelier d'artisanat, un atelier pour tout ce qui est en rapport avec la survie sur Minecraft. Oui, donc avec des tables de craft, avec cette chose, les meules, dont j'avoue ne pas avoir la moindre idée de ce à quoi ça sert. Mais je trouvais que ça avait l'air intéressant à mettre ici. Voilà, des tables de forgeron qui, pareil, j'ai pas la moindre idée de ce à quoi ça sert non plus. Moi, la survie, hein. Mais bref, niveau décoration quand même, hein, des enclumes qui entourent un espèce de mini lac de lave, je trouvais ça plutôt sympathique. Voilà, plein de fours et de hauts fourneaux et de fumoirs. Fumoir, j'avoue que le bloc, je l'aime beaucoup. Pareil, j'ai pas la moindre idée, voilà, encore une fois, de quoi ça sert. Mais je trouvais que ça rendait plutôt pas mal. En plus, il y a une porte ici qui nous permet d'accéder directement au couloir entre la grande caverne avec le truc du Nether et le truc au-dessus. Vous voyez d'ailleurs, petite astuce de déco, hein, on mettra des pierres sculptées, hop, au centre, et avec les chaînes, ça se colle directement pile au centre des pierres sculptées avec quelques champilampes et des bannières pour nous faire tout un réseau comme ça de lustres, qui est plutôt sympa. Est-ce que j'ai d'autres pièces à vous montrer? Peut-être dans l'arbre. Alors l'arbre,
ça aussi, je suis pas peu fier de moi avec des grandes chaînes, vous voyez, qui suspendent des lanternes qui surplombent un petit peu partout dans la maison. Et je trouve que ça donne une ambiance féerique, mais sans une ambiance fantastique, sans que ce soit réellement fantastique. C'est réaliste, avec que des choses réalistes. Bon, certes, l'arbre, il fait un peu une taille un peu irréaliste, mais bon. Mis à part ça, tout est réaliste, mais ça donne une ambiance fantastique, et ça, j'aime bien. Voilà, sinon, petite terrasse de toit, hop, qui nous amène sur un balcon, hop, qui surplombe la grande salle, bien sûr. Ma foi. Alors, juste pour les prochaines fois, lorsque je terminerai complètement la décoration d'intérieur, il nous reste encore donc ces deux derniers étages à réaliser avec des bureaux, des chambres. Ce sera essentiellement des chambres, hein, vous voyez, ici et pareil, il y a des salons, je pense. Et pareil avec l'étage du dessus. Hop. Le dessus, c'est juste sous les toits où il y a plein de charpentes visibles partout. Et ça, j'adore. Ça, c'est un peu mon dada. Et donc, imaginez bien une chambre ici avec des grandes ouvertures comme ça, grandes fenêtres avec vue sur le lac et tout. Enfin, franchement, ce genre de chambre, moi, je trouve ça, c'est royal. Hop. Vous voyez, ici, pareil, juste sous les toits. Hop, avec la vue de ouf. Voilà, bref, ça viendra pour la prochaine vidéo du coup. Et maintenant, on va pouvoir commencer le tutoriel. Je vais peut-être vous montrer l'arbre lui-même d'ailleurs aussi juste avant. Donc, on a aussi une... Hop, l'arbre il est creux en fait à l'intérieur. Et il y a une échelle qui nous permet, youp, de monter. Moi j'avance un petit peu plus vite. Hop, aux différents niveaux. Et donc ici, vous voyez, on a une ouverture qui nous amène à une cabane dans les arbres. J'arrive pas à prendre du recul. Pourquoi j'arrive pas à prendre du recul? Voilà. Une petite cabane dans les arbres qui est complètement isolée du reste. Mais voilà, avec un arbre de cette taille, tu pouvais pas ne pas faire de cabane. Vous voyez, donc très simple, hein, évidemment. Hop. Et puis voilà, avec une petite terrasse. Et pareil, du coup, on a un escalier, non pas du tout, une échelle qui monte tout jusqu'en haut, et on a même une toute petite plateforme, hop, d'observation, bon, qui est strictement inutile dans le sens où il y a tellement de feuilles partout qu'on ne voit absolument rien, mais enfin... C'est l'intention qui compte, voilà, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Voilà, donc, on va commencer tout de suite avec le tutoriel, et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de cette maison dans les commentaires. Donc, on va commencer déjà dans un premier temps par vous donner tous les blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison. Ok, hop, donc voilà, j'ai fait la liste ici. Il y a pas mal de blocs hein, quand même. Donc voilà, on va voir ça. Hop, tout de suite. Ok, maintenant la deuxième ligne. Youp. Ok, donc maintenant on va passer vraiment au plan pour réaliser la maison. Mais
Mais, juste avant de vous montrer les plans pour faire la maison, j'ai oublié de vous montrer deux petites choses voilà, intéressantes, en tout cas pour le début de cette visite. Bref, du coup, ici, j'ai fait un atelier de mage, d'enchantement, de tout ça. J'avoue que j'ai jamais utilisé, hein, moi, le truc d'enchantement sur Minecraft. Donc, je sais pas comment ça se bidouille, ce truc, mais il y a plein de lettres qui volent dans tous les sens, donc je trouve ça stylé. Et puis, un laboratoire d'alchimie, avec plein de trucs dans tous les sens, mais encore une fois, pareil, j'utilise pas ce genre de choses, parce que je joue pas en survie. Enfin, même en survie, j'utilise pas ce genre de truc, donc je joue un petit peu en survie, mais pour le peu que je joue, j'utilise pas ça, donc je sais pas comment... voilà, donc j'ai essayé de faire une décoration un peu dans le thème, voilà. Voilà. Donc, deuxième petite chose que j'aime bien à montrer, c'est ici, vous voyez, vous avez différents tableaux, tout ça. Et ici que j'ai appelé ce tableau, ils ne sont passages. Et justement, regardez bien, ici, passage, c'est marqué sur une seule pancarte à part entière. Et lorsque on regarde le tableau, il est de deux blocs de hauteur, et donc, hop. Il y a un passage dans le tableau, un passage secret. C'est pour ça qu'il y a marqué passage, en fait, c'est parce que c'est un jeu de mots. Et donc ce passage secret nous invite à rejoindre une pièce qui est encore vide, mais je sais ce que je vais en faire pour la prochaine fois. Vous aurez plus qu'à regarder la prochaine vidéo pour savoir justement pour savoir tout ça. Bref, donc du coup, maintenant on va vraiment passer au plan de la maison. Donc vous aurez besoin d'une parcelle d'environ 100 blocs par 100 blocs environ. Et puis je vais déjà vous montrer un plan global, je vais pas vous montrer un plan détaillé, mais déjà un plan global pour que vous ayez une idée. Maintenant que vous avez ça, je vais vous montrer comment positionner les piliers ici, les bûches de bois que j'ai utilisées pour les bûches en chêne, vous voyez, que j'ai utilisées par terre. Je vais vous donner toutes les dimensions pour pouvoir placer toutes ces bûches là, vous aussi. On va partir, alors je prends un petit peu de recul, on va vraiment partir du coin à ce niveau-là, d'accord? Vous voyez, hop. Donc, on place une bûche de bois. Ici, on laisse 4 blocs de vide, on replace une autre bûche. On laisse 5 blocs de vide, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? On replace une bûche. Ici, 4 blocs de vide, on replace une bûche. 6 blocs, une bûche. 6 blocs à nouveau, une bûche. Hop, maintenant on va en arrière, on laisse 3 blocs de vide, on remet une bûche. Ici sur le côté, on laisse 7 blocs d'écart et on remet une bûche. Ici, 7 blocs à nouveau, bûche, 7 blocs à nouveau et une autre bûche. Hop, maintenant par devant, on va aller dans ce sens-là. Il y a 5 blocs d'écart ici, ok. 5 blocs ici aussi, une autre bûche, 9 blocs ici. Entre ces deux-là, il y a 11 blocs, une bûche, 9 blocs d'écart, re 11 blocs d'écart, et 9 blocs d'écart ici. Ok? Et là, vous arrivez là. Dans ce sens-là, il y a 12 blocs d'écart ici, avant la prochaine bûche, ici. On laisse 2 blocs, une nouvelle bûche, on laisse 4 blocs, ici on en laisse 2, je redis pas les bûches à chaque fois, hein. Vous avez compris l'idée. 3 bûches, 3 blocs d'espace dans ce sens là pour la prochaine bûche. Ici sur le côté, on en met 13 d'écart, bûche, 4 bûches, 5 blocs d'écart, hop, ici 4, et on arrive dans le coin en haut. Ok, donc pour vous situer, hein, on arrive là-haut dans le plan. Hop, on va dans ce sens-là. Et donc entre ce bloc-là et ce bloc-là, on a 9 blocs d'écart ici. Ici, on a
15 blocs d'écart entre celui-là et celui-là. Ici, entre celui-là et celui-là, on a 21 blocs d'écart. Mais, hop, entre ici et là, on en a 8. Ok ? C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs. Et vous pourrez mettre directement un bloc de diorite poli juste à côté pour garder un repère. Hop, entre ce bloc-là et celui-là là-bas, on a 11 blocs d'écart. Ici, on en a 3. Et ici, on en a 9. 9 blocs d'écart ici. Et normalement, si vous êtes bien bidouillé, vous devriez retomber pile poil sur votre première bûche de départ. Et on a fait tout le contour en fait. D'accord ? Hop, on va prendre la quatrième bûche ici sur la ligne. On est parti de là. 2, 3, quatrième bûche ici. Ok. Et on va faire cette ligne là maintenant. Alors, normalement, cette ligne là est exactement la même que celle ici. Vous voyez, vous reprenez tous les blocs que vous avez mis ici, avec le même écart, et vous refaites la même chose ici. Je vais vous redonner... Enfin, sauf à la fin. Mais sur les premiers, en tout cas, les trois premiers. Je vais vous redonner les dimensions quand même. Donc, 9 blocs d'écart pour le premier. 3 blocs d'écart pour le deuxième écart. Ici, 11 pour l'écart ici. Entre cette bûche-là, là-bas, et celle-là, il y en a 21. Entre celle-là et l'autre, il y en a 11. Vous voyez, donc comme l'autre côté. Ici, on en a 3. Et ici, on en a 9. Et vous retombez normalement sur ce bloc-là. Ok. Il nous reste ces blocs-là et ces blocs-là. On va faire... Donc, on va reprendre à partir d'ici. D'accord. Hop. Reprendre ce bloc-là. Entre celui-là et l'autre là-bas, il y a 9 blocs d'écart. Je remonte bien où on est. On est ici. 9 blocs. Ok. Hop. Alors ici, il y avait combien de blocs? Il y a 7 blocs entre celui-là et celui-là. Et donc, il y aura exactement la même chose entre celui-là et celui-là. Il y aura 7 blocs aussi. Hop. À nouveau 7 blocs ici. Et à nouveau 7 blocs ici. Ok. Alors... Au niveau de ce bloc là, on va remettre 5 blocs d'écart pour avoir la bûche à ce niveau là, d'accord? Et normalement, vous avez ces 4 là. On va reprendre ici cette bûche là, donc la 1, 2, 3, 4ème bûche sur cette ligne là, d'accord? On va aller sur le côté ici comme ça, et sur la ligne, on va compter... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 blocs. C'est ça que j'avais marqué. Ouais, 15 blocs d'écart. On remet une bûche. Puis après, toujours sur la ligne là, on va laisser 21 blocs d'écart. Et on retombe sur cette bûche là normalement. Ok. Alors, on va prendre à partir de là-bas, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6ème bûche ici. D'accord. Et à partir de là, on va aller dans cette ligne-là. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 blocs d'écart ici. Une prochaine bûche. Hop, ici 21 blocs d'écart. Et on retombe ici normalement. Ok. Donc on était parti de là, on va partir de là maintenant. Et hop. Et on va laisser, pareil, 15 blocs d'écart. Ah non, non, pas tout à fait. Ok, on va partir de celui-là. Je crois que c'est là que j'avais mis un panneau. De ce bloc-là, d'accord. Et on va laisser donc 9 blocs d'écart entre ce bloc-là et ce bloc-là. Et maintenant, du coup, entre ce bloc-là et hop, celui-là, là-bas, il y a 10 blocs d'écart. Ok, normalement, vous avez, pour reprendre... Hop, la vision du début, vous avez ça sous les yeux. En tout cas, vous avez les bûches de bois sous les yeux. Maintenant, ce qu'on va mettre en place, ce sont les parties en diorite. Vous voyez donc, ce sont les grandes
Les grands jardins qu'il y a sur le côté de la maison, ici, vous voyez, ce sont les plans en tout cas pour les grands jardins. On va utiliser de la diorite polie, d'accord? Et on va faire ces trucs-là. Donc, moi, j'ai mis, au niveau de mon plan, j'ai mis du coup des blocs en cuivre et des blocs en diamant. Mais c'est juste histoire de montrer vraiment. En réalité, vous n'avez pas besoin d'utiliser du cuivre ou du diamant. Bien sûr, vous ne mettez que la diorite en dessous, d'accord? Ok. Donc, on va venir reprendre notre bloc du coin ici, notre bloc de départ. On va compter 1, 2, 3, 4e bûche dans ce sens-là. D'accord? On va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs ici d'écart. Et sur le côté, on va mettre notre première diorite. Ok? Donc, entre cette diorite-là et celle ici, vous avez 8 blocs en tout. Ok? Ici, sur toute la grande ligne à ce niveau-là, d'accord, vous en avez 36. Hop. Au niveau du bout, on va avoir 7 blocs d'écart ici en cuivre, d'accord? Donc avec bien un bloc de diamant de chaque côté. Ici, sur la ligne, vous en avez 7 aussi. Ici, vous en avez 3. Ici, vous en avez 7. Regardez bien comment c'est foutu. Hop, on va reprendre le bout ici, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Et sur le côté, vous pouvez mettre votre bloc de diorite, hein, toujours en dessous. Et on va mettre 5 blocs de diorite, hop, comme ça. Ici, sur la grande longueur, on va en mettre 14, d'accord? Et on va en remettre 5 ici pour pouvoir rejoindre notre grande ligne qu'on avait fait tout à l'heure. Ok, donc normalement vous avez ça, en diorite hein, bien sûr. De l'autre côté ici, on va compter à partir du coin à ce niveau-là, 1, 2, 3, 4 blocs de bûches. Hein. Hop, et donc on va mettre la diorite ici sur le côté en diagonale. On met juste 2 blocs de diorite comme ça. Ici on met une ligne de 7 blocs. Ici on va en mettre une ligne de 13. D'accord? Ici, on en met une ligne de 18. Comme ça. Ici, sur la petite ligne, vous en avez 3. On va compter 1, 2, 3 blocs ici, comme ça, pour placer 2 sur le côté. Et encore sur le côté, on va mettre une ligne de 14. Ici, là, sur le côté, on va mettre une ligne de 6 pour rejoindre la grande ligne qu'il y a ici. Alors. On était à ce niveau-là, d'accord? On a nos 7 ici. Ici, sur le côté, on va avoir 9 blocs qui prolongent. Ok? Et ici, sur le côté, vous avez la grande ligne qui est de 33 blocs de longueur. Et ici, sur le côté, on va en remettre 12. Et normalement, vous devriez être sur la diagonale par rapport à cette bûche de chêne que vous avez déjà placée. Ok, donc évidemment, je répète, hein, vous mettez pas les blocs de cuivre ou de diamant, c'est juste pour être visuel, pour montrer sur les plans. Voilà, mais voilà en gros ce que vous avez sous les yeux présentement. Et maintenant, on va faire la véritable première partie de la maison, c'est-à-dire que l'on va faire toutes les charpentes, on va dire ça comme ça. Ok, donc oui, j'ai mis les différentes étapes de la maison ici. Et donc, on va mettre en gros toutes les poutres et tous les piliers en bois un peu partout. Et pour ça, on va mettre tous les blocs qu'on avait déjà mis au sol. On va les faire monter à 7 blocs de hauteur. On va faire des piliers de 7 blocs de hauteur à chaque emplacement que l'on a mis ici. Ok ? Hop. Donc, on va ici et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, la même chose à côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. etc. sur toutes les bûches. Allez hop. Et hop. Donc voilà ce que vous avez. Maintenant, on va faire les différentes poutres pour le premier étage, n'est-ce pas? Et hop. Alors, évidemment, je l'ai mis moi-même, hein, mais je vais pouvoir vous montrer comment on fait ça. Hop, on en laisse de là, vite fait. Alors,
Ce que l'on va faire pour pouvoir mettre toutes les poutres comme ça du premier étage, c'est que l'on va mettre les poutres à 6 blocs de hauteur. Vous voyez, il y a un bloc qui dépasse sur nos piliers. Et on va mettre ces poutres comme ça. C'est-à-dire que sur la grande partie en droite, ici comme ça, vous voyez, vous les mettez sur tout le long là-bas, sauf au niveau du creux ici. Vous les mettez ici, tout le long ici, ok, sauf à ce niveau-là. Puisque ici et de l'autre côté là-bas, vous allez avoir les escaliers. D'accord? On a notre grand carré au milieu, ok. Ici, on relie quasiment tout, sauf ce pilier-là avec les autres ici. Ok. Et puis voilà, ou sinon, vous continuez, vous suivez le plan hein, de la même façon. Il faudra juste faire attention ici, vous voyez, il ne faudra pas relier, par exemple, cette poutre-là avec ici. Il n'y a pas de lien entre les deux. Mais sinon, voilà un petit peu ce que ça donne, si jamais vous avez envie de mettre pause, la vidéo sur pause à ce moment-là, pour être sûr d'avoir les bons piliers et les bonnes poutres au bon endroit. Hop, sinon, il y a aussi, hop, cette partie-là qui est dans le vide, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de piliers, comme vous pouvez le voir. Et donc, ce que l'on va devoir faire, hop, je vous remets ici, à partir de ce coin-là, vous prenez le troisième pilier ici, et on va faire une espèce d'encoche comme ça. Hop, on va venir partir d'ici, et on va mettre 11 blocs de bûches comme ça, jusqu'ici. Le 11e bloc de bûche, on le mettra face vers le haut. La même chose sur le pilier d'à côté, hop comme ça. Et puis après on relie les deux. Et normalement, vous avez hop 11 blocs d'écart entre les deux parties ici. Ok? Bon, je vous remonte une dernière fois, si jamais vous avez vraiment besoin d'un petit peu de temps pour relier toutes les poutres. Et maintenant, on va faire les côtés ici. Vous voyez donc les jardins hein, qu'on a là-bas. Hop. Donc, sur ce côté-là, on va venir mettre cette partie-là. Hop. Hop, jusqu'ici. Donc, vous voyez, hein, toute cette partie-là, tac, 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 tac. On va la mettre à 5 blocs de hauteur. D'accord ? Cette partie-là, ici, comme ça, on la mettra à 3 blocs de hauteur. Et la partie ici devant, on la mettra à un seul bloc, c'est-à-dire qu'on l'a déjà mis. Bon, bah, let's go. Hop. Voilà ce que ça donne. Ok. Oui, on a bien 1, 2, 3, 4, 5 blocs ici de hauteur. Ici, 3 blocs ici et un seul là. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que la grande partie ici centrale va faire 5 blocs de hauteur, ok. La partie ici sur le côté en fera 3, et la petite partie par devant en fera qu'une seule. La même chose du coup. Allez, let's go. Hop. Et voilà ce que ça donne. Ok, alors maintenant on va faire un truc un peu particulier, c'est-à-dire qu'on va venir reprendre de la terre, hein, des blocs d'herbe, et on va venir pile au centre de la maison. Vous voyez ici, là. Eh bien, en fait, c'est là où il va y avoir l'arbre, là où on va planter l'arbre géant. Sauf que ce que je ne vous ai pas dit, et peut-être certains d'entre vous l'auront remarqué, c'est que hop, la partie ici où on a planté l'arbre est à un étage plus haut que l'herbe normale. Regardez, ici, on est bel et bien à un étage sur la terrasse, à un étage en hauteur au-dessus du sol. Ok, et pourtant, on est au même niveau que le sol de l'arbre. Donc il va falloir réélever entièrement un étage entièrement d'herbe, en fait de terre. Donc en plein milieu ici, on va tout reboucher entièrement en terre. On va faire de la terre partout. Vous voyez donc entre les piliers ici comme ça. Hop, hop. Hop, comme ça, vous voyez, hein. Et bah, jusqu'au niveau hop, du sol, ici, comme ça. Hop, donc, c'est-à-dire, hein, on va vraiment complètement boucher le tout, hop, jusque-là. Hop. Hop, vous voyez, et donc, toute cette grande partie-là que je viens de mettre, on va entièrement la boucher en terre. Donc, ça va prendre un peu de temps, mais bon, voilà, il faut ce qu'il faut. Hop, allez, let's go. Hop.
Ok, donc une fois qu'on a rempli notre partie centrale ici, on va mettre les murs pour le rez-de-chaussée. Vous voyez donc les murs, j'ai mis l'emplacement pour les murs en dessous ici comme ça. Et donc je vous invite à prendre les planches de sapin. Ok, les blocs de planches de sapin. Et de les mettre, hop, ici, là, vous voyez, donc je reprends le plan comme ça. Donc on va mettre notre première ligne de sapin ici comme ça, ok. Puis après, juste derrière ici, puis sur la longueur, comme ça. Arrivé à ce poteau-là, on met un mur jusque ici, donc sur le coin de la partie en terre, d'accord ? Qui se prolonge ici sur le côté jusque quasiment toucher la partie en diorite, d'accord. Puis après on prolongera un mur sur toute la longueur ici jusqu'à l'autre côté en diorite, finalement le pilier qui est juste à côté. Hop, puis après dans ce sens là, tac tac, jusqu'ici, ok, dans ce sens là, puis ici. On va pas jusqu'au bout hein, évidemment, puisqu'il y a un... pas un préau, comme on appelle ça, une terrasse suspendue comme ça, et donc on laissera les premiers piliers ici comme ça sans rien. Hop, de là jusqu'à toute la longueur ici quasiment, on mettra un mur aussi, d'accord. Donc vous voyez hein, bien comment on met les murs, d'accord. On mettra aussi des murs, hop, sur la paroi en terre qu'on a mis juste avant en fait, donc tout le gros pâté en terre qu'on a mis, on va mettre des murs comme ça sur le côté pour cacher la terre, parce que c'est un peu moins... c'est pas très gracieux. Et donc on va faire des murs comme ça sur tout le contour, et on va aussi monter les murs ici, hop, jusqu'au plafond. Alors petite remarque aussi, c'est vrai que dans les commentaires je vois de temps en temps des gens qui me disent « Ah, c'est embêtant parce que tu as tendance à faire des choses et à les casser ensuite, et certaines personnes aimeraient mieux que je fasse les choses bien directement. » Comme ça, il n'y a pas besoin de les changer par la suite. Mais c'est comme ça que je build. Moi, je préfère builder de manière méthodique, en fait. Je préfère mettre tous les murs partout, puis après faire des trous dans les murs pour mettre les portes, pour mettre les fenêtres, ce genre de choses. Donc, voilà, c'est ma méthode pour faire les choses, pour builder. Donc, je ne vais pas en changer, puisque c'est des bâtiments très grands qu'on est en train de faire. Donc voilà, pour que ce soit clair, je vais travailler comme ça, d'accord. Donc voilà, on met des blocs partout, sur tous les murs maintenant, ok. Hop, voilà, donc j'ai mis les murs du premier étage, ou en tout cas du rez-de-chaussée. Ok, une fois qu'on a ça maintenant, on va mettre de l'herbe au niveau des grandes terrasses qu'on a sur le côté, ok. Au niveau des... hop, des petites parties ici qui sont que à un bloc de hauteur, on met l'herbe comme ça. Hop, à cette hauteur-là. Hop, ok. Deuxième partie ici sur les murs à 3 blocs de hauteur, on le met à 3 blocs de hauteur. Hop, ok. Et donc pareil, hein, au niveau des terrasses à 5 blocs de hauteur, eh bien on va mettre de l'herbe à 5 blocs de hauteur. Hop. Ok, et puis on va faire exactement la même chose de l'autre côté, hein, là où il y a 5 blocs de hauteur sur la terrasse, on mettra l'herbe, pareil, à 5 blocs, là où il y a 3 blocs, on la mettra à 3 blocs, et là où il n'y a qu'un seul bloc, ben on la mettra au niveau, au même niveau, voilà, à chaque fois bien sûr. Allez hop, hop, voilà ce que ça donne. Alors du coup, une fois qu'on a fait ça, on va venir creuser dans le sol, hop, à l'intérieur de la maison. Ici, vous voyez, on a des murs partout. Et on va changer le sol et on va le mettre en planche de sapin. D'accord ? Et on va faire ça sur toute la surface ici, à l'intérieur de la maison. Voilà, touche que là-bas et tout et tout. D'accord ? Allez, let's go. Hop. Et voilà ce que... ça donne. Ok, donc maintenant on va mettre les planches de chêne, d'accord, au niveau du premier étage. Donc vraiment à ce niveau là on va vraiment remplir toute la surface entre les poutres ici comme ça avec des bûches, des blocs de chêne, des planches de chêne. Il faudra juste faire attention aux quatre ouvertures, parce que vous voyez ici sur le côté on avait laissé une ouverture pour laisser l'escalier. Donc il faudra juste mettre, hop, des planches de chêne jusque là. Et ici on mettra l'escalier de l'autre côté. Et ça sera la même chose au niveau de chaque ouverture d'escalier, comme ici là. Hop, tac 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 tac.
Hop, l'autre côté aussi. Hop. Et bien sûr ici. Hop, comme ça. D'accord ? Tout le reste ici, on va remplir les trous entre les poutres. Allez. Hop. Hop. Voilà donc la surface de la maison que l'on a remplie. Il faudra juste éviter de remplir cet endroit-là. D'accord ? Je vous montre ici sur... en haut, histoire de vous repérer. Parce que ce sera l'endroit où on va faire passer un arbre au travers de la terrasse. Ok. Une fois qu'on a ça, on va faire le deuxième étage. Alors, j'ai représenté ici en orange les emplacements au niveau desquels on va rajouter des nouveaux blocs. On va rajouter des bûches de chêne, en fait, à ce niveau-là. Moi, je les ai mis en orange, mais bien sûr, vous les mettez en bûches de chêne. Donc, les bûches classiques... ici sont les bûches que normalement vous avez déjà, vous aussi, d'accord? On va en rajouter quelques-unes. Par exemple, sur le devant ici, ok, on va partir de la bûche du côté ici. Et on va compter. Donc 1, 2, 3, 4 blocs sur le côté et 1 et 2 blocs vers le bas. Ok, et on met une bûche de chêne. 1, 2, 3, 4 blocs sur le côté, 1, 2 blocs vers le bas. Pareil, on en remet une. Et donc le symétrique de l'autre côté, on remonte de 2 blocs et 1, 2, 3, 4 sur le côté. Et hop, on en met une comme ça. Ok ? Faudra faire la même chose au bout là-bas. Ici, sur les deux coins de la partie qui vole un peu dans les airs ici, eh bien on va rajouter des bûches. Hop, comme ça. Ok ? Alors ici, sur cette grande ligne droite, d'accord, on va venir... ici, ok, et on va venir compter 6 blocs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et au 7ème bloc, on va mettre une bûche de chêne. Ici, on va laisser 7 blocs d'espace, et au 8ème bloc, on en mettra une autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et pouf, au 8ème, on en met une. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs, normalement, vous avez 6 blocs jusque cette bûche-là, que normalement, vous avez déjà. On va compter un écart de 11 blocs entre cette bûche-là et le prochain, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et au 12e bloc, normalement vous êtes aligné avec la poutre ici, vous rajoutez une bûche. Ici, pareil, on va faire la même chose que de l'autre côté. Et on va venir compter à partir de ce bloc-là, 1, 2, 3, 4 blocs, et 1 et 2 en bas. 1, 2, 3, 4 sur le côté. 1, 2 en bas. 1, 2 en haut. 1, 2, 3, 4 sur le côté. Pour finir ici. Ok, il nous reste quelques blocs à poser, notamment au niveau du milieu, du centre de la maison. On va venir prendre ce coin-là, d'accord? Et on va venir compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 blocs ici pour mettre notre bûche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour mettre notre deuxième bûche. Et normalement, vous avez 6 blocs d'écart ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Et on va faire la même chose du coup au niveau de chacun des coins du côté de ce carré central. D'accord? Donc ici, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On arrive sur notre coin très bien. Et on va faire la même chose à chaque fois. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ici, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Donc normalement, on est presque bon. Il nous reste juste à faire ce... à poser ce bloc là, donc on est vraiment là, vous avez le devant de la maison, et à ce niveau là on va rajouter un cube ici aussi, ok, dans l'intersection à ce niveau là. Maintenant on va faire le premier étage et on va mettre tous les piliers de la maison à 6 blocs de hauteur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, 2, 3, 4, 5, 6, hop. Alors voilà, il faudra pas mettre tous les blocs de bûches à 6 blocs de hauteur, ok, il faudra juste mettre ce que j'ai mis ici, que je vous montre là.
Donc vraiment toute la partie centrale ici, sauf les blocs qu'il y a devant, puisque ça, il s'agit de la terrasse, d'accord? Mais tous ces blocs-là, il faudra les monter. Donc à 6 blocs. Hop, de l'autre côté, ceux-là, on ne les met pas à 6 blocs, d'accord? Hop, donc tout le reste, on le met, bien sûr. Et il y a juste ici aussi où il ne faudra pas les mettre, hein, donc toute cette ligne-là, plus ces 4 ici, ceux-là, on ne les touche pas, d'accord? Une fois qu'on a ça, n'hésitez pas à mettre sur pause, hein, bien sûr, pour pouvoir vous aussi refaire tous les piliers qu'il faut, hein, bien sûr. Mais là, j'estime que vous avez tous les piliers aussi. Maintenant qu'on a tous les piliers, il va falloir mettre les poutres pour relier les piliers entre eux. Donc, ce que l'on va faire, c'est quelque chose comme ça. On va mettre des piliers, hop, comme ça. Hop, hop. On arrive ici sur la partie centrale. Donc, la partie centrale, on ne va pas mettre de poutres. Ici, là, vous voyez, on ne met pas de poutres à l'intérieur. On en mettra pour l'instant que sur les extérieurs. Hop, 1, 2, 3, paf. On va faire les choses comme ça. Vous voyez, donc on va faire vraiment des espèces de lignes de deux blocs par deux blocs. Vous voyez, deux blocs ici, une diagonale, deux blocs, une diagonale, deux blocs. Et juste sur le devant, on va mettre trois blocs. Hop. Comme ça, paf. Paf. Comme ça. Ok. Ici, pareil, on va mettre une ligne. Hop. Hop. Et hop. Voilà, donc des poutres comme ça. On va en mettre sur toute la longueur ici. Hop. Hop. Voilà, donc sur toute cette longueur là. Ici pareil que de l'autre côté. Donc on va faire ça comme ça. Hop. Ok. Ici, sur le côté, on va faire toute la ligne aussi. Hop. Hop. Voilà ce qu'on a pour l'instant. On va faire tout le carré du milieu aussi au niveau où on a continué à mettre les poutres. Hop. Hop. Vous voyez, hein, donc au niveau du carré central, on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier à partir de ces poutres-là, tout jusqu'ici, puis après tout jusque là-bas et là-bas comme ça. D'accord? Hop. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. D'accord? Donc maintenant, on va quand même rajouter quelques poutres, mais qui seront donc à l'intérieur de la maison. Hop, qui ne se verront pas à l'extérieur. Alors, ici, vous voyez, donc sur cette partie-là, hein, ok, on va prendre les bûches comme ça, hop, et pareil ici, pouf, voilà, donc normalement ceux-là ils sont alignés, ceux-là, vous voyez, ils ne sont pas alignés, et c'est normal, vous voyez, donc cette poutre-là, normalement elle arrive bien ici, hein, elle n'arrive pas en face de l'autre, c'est normal, il y a un décalage entre les piliers, c'est voulu, hop, ici on ne met rien. De ce côté-là, on va partir, hop, comme ça, hop, pareil ici, comme ça, et vous remarquez, pareil, il n'y a pas de correspondance avec les piliers de ce côté-là et de l'autre côté aussi. Pareil, c'est normal, c'est voulu. Hop, ici, on va prolonger comme ça. Hop. Dans ce sens là, on se met là, et pareil ici, pas de correspondance avec le d'un côté à l'autre du mur, en tout cas de l'étage, mais voilà, pareil, c'est normal, hop, voilà, on est à côté, tout va bien. Hop, et le dernier, peut-être petite dernière poutre comme ça. Donc voilà, là on a vraiment notre premier étage. On va pouvoir mettre directement les planches, le plancher en fait de ce premier étage. Donc ici sur la grande partie centrale, on ne met rien, c'est normal. On va mettre, hop, des planches ici comme ça.
Et hop. Ok. Puis après, on va mettre des planches du coup sur cette partie-là, ainsi que sur toutes ces parties-là. D'accord? Allez. Hop. Et voilà ce que ça donne. Ok, maintenant on va faire le deuxième étage, hein, et ce sera quelque chose de très très facile, vu que c'est exactement la même chose que pour le premier étage. On va juste faire le premier étage, on va faire un au-dessus, la même chose. La seule différence, c'est que on va faire des piliers de 7 blocs de hauteur. Ici, là, vous voyez, on avait mis 6 blocs. Ici, on va en faire 7 au-dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Voilà, et sinon on reprend exactement les mêmes bûches qu'on avait mis au départ pour faire les piliers, hein, les mêmes choses qu'en dessous, en fait on les prolonge tout simplement, mais de 7 blocs de hauteur. Hop, vous voyez donc tout cela, paf, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc, etc, celui-là, cela, tout cela sur la ligne, hop, ici, 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 et tout autour de la partie centrale, vous voyez donc voilà, cela aussi, cela, cela là-bas, tout cela, etc, etc. Et la même chose, mais à 7 blocs de hauteur. Allez, on fait ça. 1. Ok. Donc voilà, hein, tous les piliers mis. Et on va faire exactement comme ce qu'on a fait en dessous, c'est-à-dire qu'on va tous les relier entre eux. La seule petite différence, c'est que à ce niveau-là, sur cette partie-là, eh bien, on ne mettra pas les poutres qu'on avait mis entre les piliers ici, comme ça. Vous voyez, ces poutres-là et ces poutres-là, on ne les mettra pas. Le truc, bien sûr, c'est qu'on va remettre les poutres ici sur l'ensemble de la longueur, ici comme ça, ici. On mettra celle-ci aussi après, je vais vous montrer. Autour du centre, bien sûr, partout. Sauf au milieu, là, on va juste éviter pour l'instant. Ok? Hop, allez, on fait ça. Petite précision aussi, lorsque l'on est sur le devant ici, vous voyez, sur la façade, eh bien, les piliers qu'on avait mis à ce niveau-là, eh bien, vont rester au premier étage, on ne les prolonge pas au deuxième étage. Ça, c'est le petit truc aussi. Vous voyez, ça nous fait vraiment les choses comme ça, hein, les piliers ici s'arrêtent là, et au niveau du deuxième étage, on n'en met pas. Pareil, évidemment, de l'autre côté, ce qui fait que, hop, sur la façade ici, on a quelque chose, hop, comme ça, finalement. Vous voyez, directement, sans autre poutre ici, comme ça. Hop. Vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Et la même chose de l'autre côté. Allez, on continue. Hop. Hop. Voilà un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, donc on ne met pas les poutres à l'intérieur pour l'instant. Et donc, la chose que je voulais vous partager ici aussi, c'est qu'on a toute une grande poutre qui va venir à ce niveau-là. Il va falloir la faire aussi parce que ça va nous servir pour le toit. Vous prenez le coin ici, d'accord? On compte 1, 2, 3 blocs sur le côté et on met une poutre de 41 blocs de longueur en bûche, comme ça, tout simplement sur la longueur, d'accord? Donc 41. Et on va aussi, hop, venir en dessous ici au niveau de notre partie en diorite. On va venir prendre le coin, ok? On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs et juste derrière, on met une bûche, ok? Sur le côté, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au septième bloc, on met une bûche aussi. Avec ces deux bûches, on va les prolonger comme pilier pour aller hop, rejoindre notre poutre. Hop, et pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Ça nous servira pour le toit, comme je disais. Ok, donc maintenant on a ça. On va venir sur cette partie-là et on va mettre des poutres à l'intérieur de la maison. Donc on va regarder cette partie là, d'accord, et on va venir prolonger, hop, une poutre ici comme ça, ici pareil sur le côté, hop, ok. Maintenant sur cette partie là, on va reprendre les poutres ici, hop, et ici, ok. Alors, donc ici on met rien. Hein. Alors on va même pouvoir mettre en place directement les planches pour le plancher tout simplement du deuxième étage. Donc on va remplir toute cette zone là en planches de bois. Hop, ok, donc toute cette surface là.
Et pareil, on va faire la même chose ici, ici et là. Ok. Hop. Hop. Voilà. Donc, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie de ce tutoriel pour réaliser cette maison sur Minecraft. On a déjà fait pas mal de choses. On verra la suite la prochaine fois. Donc, notamment, voilà, le toit, les murs, quand même, les escaliers, les finitions, tout ça. Et peut-être, dans une troisième partie, on fera l'arbre. Ou alors, j'arriverai peut-être à faire l'arbre la prochaine fois. On verra bien. Sur ce... N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de la maison dans les commentaires. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais pour poser vos questions avant que je tourne la prochaine partie. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot et à la prochaine !